Hein? Oulaye, c'est Maï Marina. Tu viens d'où? Je viens de Aboisseau. Aboisseau? Oui. Tu viens d'Aboisseau comme ça? Oui, c'est d'Aboisseau, Jésus qui passe. Tu es là pour quoi? Je suis là pour la soulever. Pour la sorcellerie. Oui. Ça veut dire quoi? C'est je suis sorcière. Hein? Je suis sorcière. Le sorcier? Oui. Hein? Oui. Donc, je vais faire quoi? Je suis un me délivrer. Oui. Oui. Donc, depuis là, tu n'étais pas encore délivré? Non. Pourquoi? Il n'y a rien. Aïe. Il n'y a rien. Tu aimais ta sorcellerie, c'est ça? Non. Depuis quand tu es sorcière? Je suis née dans ça. Tu es née dans ça? Oui. Tu es née à la sorcellerie? Oui. Ok. Qui t'a dit de venir à Dibé? C'est ma grande soeur. Pourquoi? Elle a bien dit que j'ai initié ses enfants. Que ses enfants aussi l'ont attaché comme deux. Ta soeur a dit, elle vit où? Elle est en Europe. Mais quelle ville, quel pays d'Europe? Elle est en Allemagne. Hein? Allemagne. Allemagne? Oui. Donc ta soeur t'a dit quoi? Elle est devenue chez le prophète. Il a dit vous. Pourquoi? Elle est venue, ils vont me délivrer au propos de ma sorcellerie. Et toi, t'as dit quoi? Non, j'ai dit, il a compris. C'est là, je suis venu à mes grands frères, avec sa femme. Donc, mon grand frère. Où est ton grand frère, sa femme? Il y a un qui est là, mais l'autre, il s'est retenu vendredi matin. Lui et sa femme sont retenus. Donc, il y a un qui est là. Lui qui est là, c'est lui qui est là. D'accord. Donc, quand il a dit de venir à Divo pour te faire délivrer, oui. Tu as reconnu ou pas au départ? Au départ, je n'ai pas reconnu. Elle m'a accusé. À chaque fois, elle me dit je suis sorcière, donc je ne reconnais pas. C'est un mari qui va venir à Divo, c'est lui qui a compris. On va arriver chez le passé, on va voir si vraiment si c'est sorcière. Donc, maintenant tu avoues que tu es sorcière? Oui. Ok. Est-ce qu'on t'a forcé pour reconnaître? Non. Quand tu es venu, on t'a chicoté, on t'a frappé pour que tu reconnaisses? Non. Mais pourquoi du pas, elle te disait que tu étais sorcière et tu ne voulais pas qu'il n'y ait? Réponds-moi pourquoi on avance. On a beaucoup de gens après. Bon, au départ, pourquoi je n'y ai pas? Ils m'ont dit que tu allais me frapper. Qui a dit ça? Mon grand frère. Ah d'accord, donc quand ils t'ont dit que ils ont vu ta sorcellerie, tes parents ont dit que si tu reconnaissais, ils allaient te frapper. Oui. Donc du coup, tu as eu peur, c'est ça? Oui. C'est cette peur-là qui a fait que tu n'as pas voulu parler. Oui. Ok. Mais est-ce que quand tu es venu chez nous, on t'a frappé? Non. Ok. Est-ce que quand tu es venu chez nous, on t'a insulté, est-ce qu'on t'a fait quoi que ce soit? Non, on ne m'a pas insulté. Et du coup, pourquoi tu as parlé facilement? Facilement, il a parlé. Bah, ceux qui disent qu'ils allaient me prier assis, puis ils allaient me faire du mal, ils ne sont pas là. Ah, ceux qui disent que tu allais assis, ils ne sont pas là. Oui. Oui. Priez l'enfant. L'enfant veut te dire, voilà, merci. Donc, ceux qui voulaient te brûler assis, bon, je te rassure qu'on ne pourra pas te brûler avec la scie. On ne permettra pas que quelqu'un te brûle avec la scie. On ne permettra pas que quelqu'un te batte. Ça, je te rassure. Voilà, mais on va t'aider. Voilà, on va t'aider à quitter la sorcellerie. Je t'ai dit comment ça s'est passé. Voilà, quand tu t'es retrouvé là-bas, je t'ai dit. Hein? Tu t'es retrouvé là-bas. Ta soeur
qui se trouve en Allemagne. Elle est venue me voir à Paris. Parce qu'elle ne dormait plus. Elle voyait les esprits, elle ne dormait plus. Donc, elle, ni son enfant aussi ne dormait pas, tout ça. Ils sont venus me voir à Paris. Et après la prière, je lui ai dit, il y a ta soeur. Je lui ai dit, Marina, je lui ai dit que c'est ta soeur qui est sorcière. Donc toi, tu ne connais ça même pas, je lui ai dit que c'était toi. Je ne sais pas si elle t'a dit ça. Si elle dit qu'il y a un pasteur qui a dit que c'est moi. Mais elle pas dit que elle t'a pas dit que c'est moi qui ai dit ça depuis la France que tu es sorcier? Non. Elle m'a dit qu'elle allait chez un pasteur. Voilà, c'est moi. Voilà, tu as peur à moi, maintenant c'est moi. D'accord. Et j'ai dit à ta soeur dit, elle dit qu'elle ne croit pas. Je lui ai dit, Marina venait parler devant moi. A dit où? Après, elle m'a dit Marina, elle dit Marina parlera devant moi. Tu comprends? Oui. Et j'ai seulement qu'il lui ai dit, l'enfant que tu as dans ta mère, le petit là, il est sorcier. Tu comprends? Oui. Est-ce que tu m'écoutes bien? Oui, je vous écoute. Voilà. Et c'est moi qui ai dit à ta soeur Marina que son enfant là a été initié par toi. Et c'est toi, n'est-ce pas, qui l'a initié en sorcellerie. C'est toi qui as initié l'enfant en sorcellerie. Passez la vidéo. Je suis Paris. Voici la vidéo. Voici la vidéo de Paris. Oui, maman. On dit d'envoyer maman. Hein? Vous parlez, on dit d'envoyer maman. On fait quoi? Ah. Tu es maman. Et tu, vous n'avez plus maman alors? Hein? Tu n'as plus pas de maman. Parlez, vous parlez la tête. Voilà, oui. Comment tu as pu l'écouter, maman? Tu as plus comment? Tu as dit à papa que j'ai ici, tu pourrais délivrer, c'est ça? D'accord, ça n'est pas. Enlève tes mains dans la bouche. Je vais te dire d'accord. D'accord? Quand vous êtes petit, tu allais le mettre dans vos conneries. Vous l'écoutez? On va t'aider, on va t'aider à tout là-bas. D'accord? Super, je vais t'aider. Non, tu n'as pas de ouf. Je vais dire que tu. C'est la chance. Donc, tu as récupéré maman. Non, laisse-toi ici. Laisse-toi enfant. Parce que lui, je veux sentir. Je sens que c'est un enfant qui veut nous être délivré. Voilà. Je sens qu'il est conscient de ce qui se passe. Voilà. Mais avant, on ne peut pas lui mettre une pression. Il faut l'amener à comprendre qu'il faut rendre la chose un peu plus facile. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi il vous disait que c'est ici peut être délivré. Parce que vous dites des choses. Vous avez été délivré. De toutes les raisons. Moi, je dis non, on peut chasser l'esprit. Non, c'est pas quelque chose. C'est ce qu'il disait ça la ville. Elle est cache-carré. Tu es né devant moi. Un petit cache-carré dans ta vie. Madame, c'est un innocent. C'est dans un endroit bizarre. Si tu veux les victimes, quand même, ils sont abusés de l'innocence. Tu connais l'enfant, hein? Oui. Même les grandes personnes. Oui. C'est parce que vous avez pris. Hein? Oui, je le connais. Sinon, excuse-moi. Tu le connais, comment il s'appelle? Il s'appelle Jean-Maurice. Jean-Maurice. Hein? Il s'appelle Jean-Maurice. Hein? Il s'appelle Jean-Maurice. Et puis, tu t'attends pas bien. Il s'appelle Jean-Maurice. Ok, donc c'est toi qui lui as donné la sorcellerie. Donc le petit lui a mis des temps parce qu'il veut atteindre la vérité. Hein? Oui. D'accord. Quand tu vois l'enfant, il est victime. Donc je chante à te montrer la vidéo. Ça a beaucoup de compassion. Voici la vidéo du petit à Paris.
Mais si le petit apparaît. Il entend quelque chose. Il a bien entendu. C'est quand j'ai dit aux gens, quand vous êtes là, quand vous avez entendu que quelqu'un dit on m'a initié, ça doit vraiment désarmer vos problèmes. Allez, on m'a initié, ça doit vous dire, j'utilise, vous voulez transformer en quoi? Vous allez en manger. Parce qu'il avait trop de faim. Le petit dedans. Oui, parce qu'il avait trop d'informations. Hein? Oui. Hein? Oui. Oui, là, c'est pas là, oui. C'est pas moi qui ai dit demander d'aller faire son souvenir. Donc, il faut me parler doucement. C'est toi qui as besoin mais de moi. Quand il n'est pas doucement, vous n'attendez pas à l'entrée de ça. Ah, mais quand oui, l'entrée, c'est pour le point d'entrée. Pardon, papa. Sinon, il n'est pas là doucement. Oui, il y avait beaucoup de tendresse. C'était oui, et puis ça a remis ma tendresse. Pardon. Donc, tu as vu que voici le dossier. Hein. Voici le dossier. Voilà. Maintenant, pourquoi l'enfant, tu l'as initié, c'est ça? Oui. Tu étais pourquoi? Je l'ai initié pour tuer l'homme. Les gens, ils ont des enfants pour les aider à devenir des gens bien à l'école. Toi, tu inities quelqu'un pour aller tuer. Comme tuer, là, c'est comme ça qu'il travaille. Et donc, tu lui as donné ce pouvoir de tuer. Oui. Ok. Et donc, tu lui as donné, il a mangé la viande de l'homme, tout ça, le petit. Non, actuellement, je l'ai mis, il n'y a pas longtemps, donc il n'a pas encore moyé l'homme d'avant. C'est maintenant, il l'a attaché. Stop. Le petit, là, c'est qu'il a dit, là. Peut-être que tu n'as pas trop entendu. Mm. Le petit, là. Mm. Tous les soirs, tu lui donnes à manger. Le petit. Attends. Tu veux délivrer ou pas? Si ou pas, il veut délivrer. Okay. Le petit dit que tu l'as envoyé attacher ta maman. Vrai ou faux? Vrai. Ok. Et donc, vous avez transformé sa maman en bœuf, vous l'avez tué, vous avez tué sa mère. Donc, lui, il a mangé. Vous l'avez donné une partie, il a mangé. Et que normalement, sa maman devait mourir en décembre. Vrai ou faux? Vrai. Mais pourquoi tu dis qu'il ne mange pas l'homme? Hein? Combien tu as déjà tué combien? 30. Tu as tué 30 personnes. Ça devient 30. Donne-moi le nom des gens que tu as tués. On y va. Il y a Foxin. Il y a Alain. Il y a Foxin. Hein? Il y a Foxin. Il y a Alain. Foxin, c'est qui? C'est mon beau. Ton beau? Oui. Quel beau? Le mari de ma grande soeur. Elle est où? Elle est en Europe. C'est son ancien mari. Ah, tu l'as tué? Oui. Donc là, tu vas manger pour tout ça. Donc, tu as tué Faustin? Oui. Hein? Oui. Comment tu as tué Faustin? Je me suis transformé à Varan. C'est Varan, tu prends, c'est ça? Oui. Et puis tu chicotes avec la queue, pas. Tu étends les jambes, comme ça? Si. Ok, ça, je sais. Mais pour ça, tu as tué Faustin. Tu l'as mangé? Oui. De monter le qui encore? Il y a Alain. Hein? Alain. Parlez dans le micro. Alain, c'est qui? Mon beau. Il faut parler dans le micro. Ton beau, quand tu m'as beau, ça m'a dit souvent, on ne peut pas se marier. Je ne peux pas aller se marier chez vous. Quand quelqu'un se marie chez vous, c'est bien. Quelqu'un va se marier chez vous, il devient ta viande. Tu as tué Alain. Il y a Véronique. Mmh. Alain, c'est qui? C'est le mari de ma cousine. Mmh. Tu l'as tué? Oui. Tu l'as mangé? Oui. Oui. Qui encore? Véronique, c'est ça? Oui. Qui est Véronique? Ma cousine. Elle est où? Au village. Parlez de lui. Elle est au village, c'est ça? Elle est à Abidjan ici. Elle est à Abidjan. Mmh. Et tu l'as tué?
Elle est morte. Oui. Tu as tué qui encore? Catherine. Catherine, c'est qui? C'est ma cousine. Qui encore? J'ai tué mes trois enfants. Toi-même, tes trois enfants? Oui. Tu les as transformés encore pour les manger? Je ne les ai pas transformés. C'est à la naissance. C'est là que je les ai tués. Quand ils sont nés. Uh-huh. Mais on les transforme pour manger. Quand ça se tue, il les transforme pour les manger. Il les a transformés en quoi pour les manger? Il les a transformés en mouton. Tu as tué qui encore? Virginie. Virginie, c'est qui? Ça, c'est une camarade du village. Une camarade du village. Ça n'est pas comment connu. Tu l'as tué? Je me suis transformé en varan. Et puis, il n'y a plus que le varan pour l'entourer, puis l'a tué. Ok. Donc, j'avais programmé qui est qui en fin d'année là. Il a programmé mon grand frère. Il est où? Il est ici. Où il est? Il est dans la salle ici. Celui qui est derrière toi. Celui qui est derrière là. Ah ouais. Mais et ta soeur qui est en Europe là, et ta soeur? Elle, je l'ai programmée en décembre. Oui, mais elle, tu l'avais déjà tué puisque déjà tu envoies son fils là, le petit là. Comment il s'appelle? Son fils, le plus petit, s'appelle Jean-Maurice. Oui, donc tu l'as envoyé, tu l'as déjà initié, c'est ça? Quand oui. J'étais déjà là-bas, en Côte d'Ivoire, c'est ça? En Côte d'Ivoire, hein. Ok. Et donc tu l'as envoyé, donc vous l'avez déjà transformé en bœuf, mais vous l'avez déjà tué, mais normalement il va mourir en décembre, c'est ça? Oui. Ok. Et maintenant lui, ton frère, là, comment il s'appelle? Barthélemy. Barthélemy, c'est lui qui est derrière. Oui. Lui, il devait mourir quand? Le 25. Quel 25? Le 25 décembre. Mais non, c'est pas en décembre, il devait mourir. Lui, il devait mourir en mars. C'est ta soeur qui devait mourir ce mois-ci. Mais lui, c'est en mars. Et dans un accident de circulation. N'est-ce pas? Oui. Alors, mais pourquoi tu dis, pourquoi tu veux jouer ça? Hein? Mais c'est pas le 25, vous allez le manger le 25, c'est manger. Ça c'est le 25, vous allez le manger. C'est la chose la plus claire. Mais lui, il allait mourir en mars. Qui est précisément le 25 mars. Non? Oui. Pendant que je te parle, l'Esprit de Dieu me parle, mettant des précisions, des dates, des choses, tout ça. Bah, il t'a fait quoi? Hein? Avant qu'on allait venir ici, il y va guiser machette. Non. Laisse faire des machettes. Laisse faire des machettes. Tu n'as rien à voir avec machette. Bon, donc ta soeur de la nuit, elle t'a fait quoi que tu l'as déjà tué. Tu, elle avait quoi? Elle m'a rien fait de mal. Hein? Elle m'a rien fait de mal. Parle de micro. Il n'y a pas de raison. C'est pas parce qu'il a dit ma chère, toi tu l'avais déjà attrapé, tu l'as nous tuer. Comment tu t'appelles toi qui est derrière là? Comment tu t'appelles? Mon nom c'est Yehoué Barthélemy. Ouais, Barthélemy, on ne fait pas palade dans ça. Ok. Voilà, parce que si tu mets dans palade, elle va te manger un cadeau, elle va te manger. La fille arrive de te manger. Tu dis que tu te retrouves dans une bonne sauce pour faire. Bon, ça, c'est pas une question. C'est une question de spiritualité. Okay. Mais pas là. Non, mais on ne vient pas arracher les aveux aux gens pour qu'ils puissent de ça un problème de famille. Non, les aveux permettent aux sorciers aussi de comprendre que la personne sorcière a besoin de quitter la sorcellerie. Non seulement ça, mais en même temps, n'est-ce pas,
Il faut que la victime aussi soit délivrée. C'est cela que par moment on leur demande, on demande aux gens de dire les gens qu'ils ont programmés et attachés. Donc, il ne faut pas faire des simples problèmes après. Parce que si tu veux mettre ça dans la chair, il t'assure que la fille, là, on va vous laisser. Tu vas la taper sec. Elle va te manger. Okay. Voilà, donc, il faut mettre bas la tête parce que tu ne la moyens pas. Si ça fait de frapper, là, elle a déjà marqué de vie. Parce qu'elle a déjà pris ton âme. C'est ce qu'on va déprogrammer par la grâce de Dieu. D'accord? Amen. Voilà, donc, il faut aller bas la terre, à faire des sorcelleries. Ou qu'on fait, elle a besoin, on ne choisit pas un parent. Elle sera délivrée, elle fait partie de ta famille. D'accord. Voilà, elle fait partie de ta famille, c'est pas que ça devient des histoires demain. Voilà. C'est pas après vous dire non, comme tu voulais me tuer, moi, mais comment c'est-tu? Tu la tues, tu vas en prison. Et puis tu vas en enfer. C'est un crime. Okay. Voilà, tu vas en enfer. Et puis bon, il faut avoir le sang du pardon. Voilà, le sang du pardon. Tu ne savais pas les choses. Quand Dieu révèle les choses, c'est un autre, c'est un objectif. C'est de délivrer la famille, pas pour diviser la famille. Mais en même temps, la personne qui est sorcière aussi, elle a besoin d'être délivrée. Donc, ne faites pas des simples problèmes d'état par chez vous. Des problèmes de palabres et tout ça. D'accord. Voilà. J'espère que tu enregistres, ce n'est pas pour aller montrer, entendre les gens. Non, non. C'est pour mes grands soeurs, vous venez un jour, vous me dites d'enregistrer ou même de filmer. Comme ma vidéo est un peu capturée, donc ici, c'est pour moi. Oui, parce que déjà, les menaces là, je n'ai pas déjà, mais quand j'ai dit qu'il fait. Tu as déjà menacé, c'est ça? Oui, il est menacé. Voilà, donc il faut plus le faire. D'accord. Voilà, plus faire ça. Voilà, il faut plus faire. Voilà, il ne faut pas faire ça. C'est la sorcellerie, c'est vrai. Quand vous voyez la sorcellerie, vous pensez que vous avez la force de faire. Bon, vous allez faire dans la chair. Mais le sorcier va te manger. Tu comprends? Mais ça ne veut pas dire que nous, on approuve quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec la pratique. C'est une personne qui a été manipulée. Vous allez me dire, le prophète, pourquoi s'est-il manipulé? Oui, mais sous la manipulation d'un esprit. Voilà, donc il faut aider la personne à quitter. Parce qu'on est de Dieu. Voilà, on ne peut pas se faire vengeance, on ne peut pas nous-mêmes se venger. On ne peut pas se rendre justice. Il faut l'aider à quitter la sorcellerie. Et en même temps, il faut, n'est-ce pas, l'amener sur le droit chemin. D'accord? D'accord. Tu as gâté la vie de qui et qui? Il y a deux trucs. Ah, il y a initié mon fils. Ben, oui, où est le fils là? Il a l'odeur, on a mis l'odeur. Ouais, c'est lui. Il y a ici Jean-Maurice. Jean-Maurice, oui. Aïchaïd. Oui. Hein? Aïchaïd. Hein? Aïchaïd. C'est qui? C'est le fils de Maron, c'est qu'en Allemagne. Ah, la fille là? C'est en Allemagne là? Son fils et sa fille, la grande fille. Oui. Aïe Nanio. C'est qui? C'est la fille de Maron, c'est la reine. Ah, ta fille, c'est sa femme. Tu t'écoutes, hein? Il a initié 4 personnes. Ok, ça c'est initiation. Tu as gâté la vie de qui et qui? Ta soeur m'a dit, ah non, la Marina ne va jamais parler. Dit, mais moi, je suis maréchal. Moi, je suis maréchal. On dit, elle va nier. Par exemple. On dit, toi, ta bouche, là, c'est un nier. C'est pas là. Batemi, oui. Elle aime beaucoup nier, non? Elle a fini un salon. Elle a fini un salon. Ici, on a. Ici, là, c'est la brigade. Ici, là. Ta soeur m'a dit, elle dit non, laisse Marina. J'ai même la vidéo à Paris, elle dit Marina viendra parler. J'ai la vidéo du dimanche, elle dit Marina viendra parler. Je suis maréchal, passe mon temps. Puis j'ai fait ça proprement. Quand il est dessus des sorcelleries, je joue même par exemple. Vous les sorciers là? Vous les sorciers là? Vous n'êtes pas camarade quelqu'un? Vous n'êtes pas camarade quelqu'un? Vous ne pensez même pas parents. Vous ne pensez même pas, vous ne réfléchissez même pas. C'est comme drogue. Quand ça vous prend, vous mangez viande. Vous voyez tout le monde en viande. Pourquoi?
Tout le monde va être bien pour toi. Donc, tu as gâté qui? Ça, c'est initié. Tu as gâté qui? J'ai gâté moi-même. Hein? C'est sur moi-même, il a commencé pour le moment. Oh, laisse pour toi. Laisse pour toi. Tu as gâté qui? J'ai gâté la vie de deux personnes. Elle est faite par les deux personnes. Il y a Barthélémy. Lui, hein? Oui. Il a gâté quoi dans sa vie? Il devait voyager. Cela, il a annulé. Il doit aller où? En Europe. Et tu as gâté son voyage? Oui. Comment? Pas dit ta micro, pas écarté micro. Tu as gâté son mariage comment? C'est pas mariage. La vieille qui a assise est foulard bleu, la zébi. C'est ma maman. Assis sa fille. Assieds-toi. C'est ma maman. La maman de qui? Moi, ma maman. Vous venez d'arriver? Oui. Elle est sortie à la ville. Allez, marche. Elle est sortie. Bon, revenons sur la fille. Revenons sur la fille. Vous êtes venu pourquoi? C'est à cause de la sorcellerie, là, il l'a envoyé. Il s'est quitté à San Pedro. Elle dit quoi? C'était à cause de la sorcellerie, là, il l'a amené ici. Oui, donc quoi? Pourquoi on a délivré pour que moi et mes enfants puissent. Elle a reconnu? Elle a reconnu, oui. Oh, non, bon, on l'a attrapé parce que c'est une corporation, là, c'est elle qui l'a envoyé. Tu m'as parlé d'un de... C'est pas maintenant que toi et moi se voient. Oui. C'est pas maintenant que toi et si, moi. Si, papa. Donc, elle n'a qu'à aller s'asseoir sur le banc des sorciers. Faut l'amener là-bas rapidement. Faut la prendre la main, emmener-la là-bas. Pas de souci. Amène-la. Je suis. Tu as assis sur le fauteuil là, point. C'est comme si j'avais avec toi. Toi, tu t'envoles la nuit. Toi et toi. Revenons sur la. Oui, toi. Oui. Tu as gâté le voyage de Barthélémy. Comment tu as fait? Je l'ai attaché comme cabri. Comment tu as gâté son voyage? Je veux savoir. Il l'a attaché comme cabri. Son voyage, pas tu l'as attaché. Son voyage, comment ça a gâté? Tu n'es pas voyage. Son voyage, là, j'ai dit son nom. Quand je suis transformé, j'ai dit son nom trois fois. Et puis il a fait une poudre pour verser là-dessus. Et puis ça n'a pas eu lieu. Et donc ils ont annulé tout, ils ne voyagent plus, c'est ça? Oui. Sinon, Cabri, tu l'as transformé, voilà ça. Maintenant, son voyage, c'est ce qui est important. Et tu dis la deuxième personne, c'est qui? Bon, la deuxième personne, c'était moi. C'est moi. Vous parlez que ça vaut pas la peine. Eh, hey, stop. Tais-toi. Toi, comment? Ta soeur, elle a eu 7 terrains à Abidjan. 7. Aujourd'hui, là, elle a acheté les terrains. Ce n'est pas en sa possession. 7 terrains à Angers. Tous ses affaires sont tombées, ta soeur. Tu comprends? Oui. Ses affaires elles sont tombées. Qui a fait ça? C'est à moi. Et pourquoi tu dis pas ça? Pourquoi tu parles pas de ça? Pourquoi tu ne parles pas de ça? Non, comme on lui a montré deux terrains. Il lui a montré deux terrains. Je dis. Oui. Ta soeur, comme tu dis, c'est deux personnes que tu as gâtées. Donc tu n'as pas gâté la vie de ta soeur. Si. Voilà. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Pourquoi tu ne parles pas de ça? Pourquoi tu ne parles pas de ça? Pardon. Non. Excuse-moi d'avoir sauté. Non, excuse-moi d'avoir sauté quoi. Hein?
Excuse-moi. Mais c'est l'inconscient, c'est-à-dire que tu es méchant. Pourquoi toi tu viens toi? Toi tu as fait quoi? Toi tu manges, toi tu fais, tu es sorcier, on sait. Parce que c'est toi qui penses que tu as gâté. Or, tu es conscient que tu as gâté d'abord la vie de ta soeur. Pourquoi on arrive là? Elle a eu 20 voitures. Les voitures sont gâtées. Les voitures sont détruites. Et le jour, elle est revenue à néant. Comme moi. Parce que le même jour où on a délivré l'enfant, d'abord on a prié pour l'enfant. Je suis revenu en Allemagne pour chercher l'enfant. Or, comme on avait déjà mis l'huile d'onction sur l'enfant, tu n'as pas pu avoir accès à l'enfant. Vrai ou faux? Vrai. Tu vois? L'enfant, tu voyais prier, Marina, il priait, il priait, mais tu ne pouvais pas avoir accès à la maison. L'enfant l'a dit. Tu ne pouvais pas avoir accès à la maison. Donc ça veut dire que tu gâtes. Elle, tu as gâté sa vie. Tu as gâté celle de son mari. Tu as gâté tous ses biens. Votre soeur qui vous aide, qui vous supporte, tout ça. Et toi, tu vas gâter tous ses biens. Pourquoi tu fais ça? Et tu n'oses même pas en parler. Tu ne parles même pas de ça. Toi, tu te prends pour la victime. Moi, ben, je me suis gâté. Moi, je m'en fous qui tu te gâtes. C'est ça, mec, que je voulais. Quand vous êtes dans la source de vie, là, donnez-vous même. Tu te prends, tu te fais manger. Et puis, c'est tout. Tu te fais manger, tu te donnes manger. Voici. Libre, c'est vite. Préparez-moi la soeur, on te prépare à guérir. Et puis un peu de placalia pour que on te mange. Et c'est fini. Mais tu finis de faire des dégâts, on te dit pas, on te dit moi-même. Tu t'es gâté comment? Hein? Excusez-moi. Où est ton canari, les sorcelleries? Je ne suis pas venu à ça. Hein? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Oui, papa. Oui, papa. Tu sais que tu gardes ça dans ton sexe, non? Le canari de sorcellerie, là. Qui a l'étonnement, là, ça est là, tu gardes ça dans ton sexe. N'est-ce pas? Oui, papa. Hein? Oui, papa. Hein? Oui, papa. Hein, là où ça n'est pas là? Si. Ok, donc dégage. Je te prends après. Ou dis, il faut être sincère. Voilà, quand on te donne la possibilité de te faire délivrer, oui, il faut te faire délivrer. Je vous prends après. D'accord.